Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver sur cette chaîne? Juste avant de développer tout ça, je vais vous inviter à cliquer sur le lien qui se trouve de part et d'autre de l'écran. Ça vous permettra de télécharger trois cadeaux que j'ai spécialement créés pour vous. Alors, ceci étant fait, je vais vous dire ce que vous allez trouver sur cette chaîne. Alors, vous allez trouver du contenu original, différents et qui fonctionnent vraiment, que ce soit dans les domaines de l'immobilier, de l'indépendance financière ou encore du développement personnel. Je vous dirai absolument tout sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il ne faut pas faire, parce que mon but en fait est de faire en sorte que vous réussissiez dans tous les domaines qui sont importants pour vous afin d'atteindre vos propres objectifs. Il y a une citation que j'adore en fait, qui est un de mes leitmotivs et que je voulais vous partager. C'est tout simplement, si vous faites tous les jours la même chose, pourquoi est-ce que vous pensez obtenir un résultat différent? Alors, aujourd'hui, pour qu'on commence notre parcours ensemble, je vais vous proposer de faire un exercice qu'il faudra faire tous les jours. C'est un exercice que moi-même, je pratique absolument tous les jours. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'obtenir des résultats de malade dans tous les domaines que je vous ai énumérés précédemment. Mais juste avant de vous livrer l'exercice qui va, je pense, vous surprendre, je vous invite simplement à cliquer pour vous inscrire et vous abonner sur la chaîne YouTube. Alors, pas de panique, c'est gratuit et ça vous permettra d'avoir toutes mes petites vidéos et de les avoir en avant-première. Donc, on va passer tout de suite à l'exercice. C'est un exercice qui se développe en trois points. Le premier point, il faut qu'aujourd'hui, ça c'est valable pour tous les jours, qu'aujourd'hui vous fassiez quelque chose de nouveau que vous n'avez absolument pas l'habitude de faire. Aujourd'hui vous faites quelque chose de nouveau. Je ne sais pas, vous allez voir, vous dites bonjour à un inconnu dans la rue, au lieu, je ne sais pas moi, de commander un café, voilà, vous allez commander un thé, faire quelque chose de différent. D'accord? Ça c'est le premièrement, ce sont des petites choses. Ensuite, deuxièmement, c'est là où c'est marrant, faites quelque chose aujourd'hui de déraisonnable. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas, si vous avez envie, s'il y a par exemple un manège sur la place publique et vous avez envie de monter sur le manège, allez-y, faites-le. Ce que je veux vous dire, c'est que peut-être que vous ne voyez pas forcément la corrélation avec l'immobilier, l'indépendance financière et le développement personnel, mais je vous garantis qu'il y en a une. Ce que je veux, c'est tout simplement casser vos toutes petites habitudes, pardon, pour mettre un petit grain de folie, parce que vous pourrez remarquer qu'en fait, si on casse la routine, vous obtiendrez des résultats différents. Donc ça, c'était le deuxièmement. Faites quelque chose de déraisonnable. Et troisièmement, faites quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Alors, ça peut être, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Si par exemple, vous êtes fâché avec votre meilleur ami depuis un an, envoyez-lui un petit SMS. Ou si, je ne sais pas, à la suite d'une chute, vous êtes peut-être tombé de vélo, bien, remontez sur le vélo et faites 5 km, si c'est possible, bien sûr. Voilà, refaites quelque chose qui vous plaisait et que vous n'avez pas fait depuis très longtemps. Voilà, je vais terminer en disant tout simplement que il faut que vous soyez conscient que vous-même, vous avez la possibilité de créer vos propres opportunités. Et ça commence maintenant. Donc je vous dis à tout de suite pour toutes les vidéos. Bye!